Hello tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle battle aujourd'hui. Donc là on se retrouve pour la battle 3. Si vous n'avez pas vu les deux premières, bah, je vous invite à aller les voir. Ce sont deux vidéos publiées hier et avant-hier. Bah, les liens seront en barre d'infos. Donc voilà, je vous réexplique vite fait. Il y a la battle 3 qui est disponible sur lpsmerch.com. Ce sont des sortes de... enfin, des votes en fait qu'on doit faire par rapport à deux pet shops aléatoirement mis. Donc là, genre, il y a un poisson et un lion. Et on doit cliquer sur celui qu'on préfère. Et donc là, il s'agit des pet shops entre le 974 et le 2675. C'est marqué en fait à droite ici, vous voyez, il y a marqué Génération 3. Du coup, on commence de suite. Le principe est simple et donc là, clairement, je préfère le poisson. Ce lion-là, je l'ai jamais trop aimé. Et en plus, le poisson, c'est un blind bags, donc voilà. Entre les deux, je préfère le lapin. Ce sont deux pet shops qui sortaient dans le même pack. Et là, clairement, je préfère le cheval. Vous connaissez mon amour pour les chevaux pet shop. Je préfère largement ce beagle et je préfère, je dirais, le rhinocéros. Je vais essayer que ce soit assez rapide encore une fois. Mais enfin voilà, je vais pas aller jusqu'au bout parce que évidemment ça pourrait durer des heures. Enfin pas des heures, mais je pense que ça peut bien durer 1 heure en vrai si je fais tout. Mais c'est compliqué parce que là ce sont vraiment des très beaux pet shops et justement j'avais trop hâte de cette battle-là. Vraiment. Bah là clairement je préfère les pet shops que les blights. Encore une fois, je vais pas cliquer sur les blights. C'est comme les pet shops McDo, je pense que je vais pas les compter dans la battle. Là je préfère largement la coccinelle. Là, je préfère largement la loutre et ce lapin que j'ai pas d'ailleurs. Là, c'est cool parce que je vais avoir plein de LPS en fait que j'ai pas pour la plupart. Enfin, pas pour la plupart, mais il y en a beaucoup quand même que j'ai pas là-dedans. Et ou alors des pet shops qui sont vraiment magnifiques et que je voulais trop pendant un moment et que j'ai enfin. On va avoir les pet shops blind bags, les pailletés. Il y en a plein qui sont trop jolis que vraiment j'adore. Et du coup, bah, c'est trop cool. Donc, n'hésitez pas à faire ça chez vous, même si les battles, bah, voilà, ça dure pas une éternité. Là, par exemple, je filme le 15 octobre et la battle 3, elle finissait demain, donc le 16. Donc, voilà, entre-temps, enfin, elle commençait le 10 et entre-temps, j'ai pas pu participer parce que j'avais autre chose à faire. Mais du coup, j'ai eu de la chance quand même de pas louper la battle 3. Dans toutes celles que j'ai faites, clairement, je préfère la 3 pour le moment. La 1, elle n'était pas aussi intéressante parce que bah, ce sont que les premiers pet shops et bon, bah, je les trouve moins jolis quand même que les derniers là, de la génération 2. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si on va avoir des pet shops G3, enfin, genre nos G3 qu'on connaît. Mais je pense pas, je pense que ça va être dans la quatrième battle, je pense. D'ailleurs, du coup, la quatrième battle, ça va être assez facile. Hein. S'il y a un G2 contre un G3. Oh, je choisis le lapin. J'aime trop la vache, c'était compliqué là. Mais vous voyez, c'est que des choix compliqués. Honnêtement, j'adore ce lapin. C'est l'un de mes préférés. Je vous avais fait un top 10 de mes lapins préférés. Mais en même temps, ce poisson, il est tellement sublime. Mais enfin, honnêtement, hein, je préfère quand même le lapin. J'aime trop ce petit furet, il est trop mignon. Pareil, je préfère quand même les pet shops classiques que les trotteurs. Ah, ça c'est trop dur parce que cet hippocampe je trouve absolument somptueux. Et en même temps, j'adore les moutons. Donc je pense que je vais choisir le mouton. Le collet. La chèvre. Le petit chien. Oulala, ça c'est dur. Moi je crois que je préfère le panda quand même. Je vois pas le deuxième. Ah voilà. Oh bah, je choisis le maxi LPS, hein. Il est trop beau celui-là en plus. Alors là, il y a un grand mystère par rapport à ce pigeon. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais je l'ai eu l'autre jour, ce pigeon-là, sauf que sur l'image du pack, le pigeon à l'intérieur, on dirait pas du tout le même. Enfin, genre, il est rose, alors je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais là, je préfère largement la loutre, le lapin, le papillon. J'aime pas trop, enfin, c'est pas mon chaton préféré. Voilà, je préfère largement le chat quand même. Le lapin, il est trop beau. J'aimerais trop l'avoir. Ah, j'aime trop ce zèbre, c'est l'un de mes chevaux préférés. Honnêtement, j'aime beaucoup les poméraniens, mais bon, bah, c'est celui avec les yeux en autocollant, donc je préfère quand même le Lovebug en vrai. Oh,
C'est l'un de mes féeriques préférés. Je vais quand même choisir le chameau. Bah pour sa rareté, hein, je pense. Là, je préfère quand même le crocodile. Les iguanes, ils sont trop beaux. Ah bah ça, c'est mon hippocampe préféré. Et en même temps, j'adore les chiens papillons. Donc c'est très compliqué. En même temps, c'est pas mon chien papillon préféré, alors que l'hippocampe, c'est quand même mon hippocampe préféré. Je vais choisir le rat. Je préfère le rat, ouais. Le croco, le chat européen quand même. Ce lapin-là, je le préfère, même si le cacatoès c'est beaucoup plus rare. Bon, je vais choisir le danois, même si c'est pas mon préféré, hein, mais bon, j'aime beaucoup plus le singe, là, clairement. Ah, c'est dur, lui, il est si rare. Alors que lui, bon, il l'est aussi, mais. Ah, c'est dur parce que c'est vraiment incomparable. Je trouve un panda et un pingouin, ça n'a tellement rien à voir. Bah, je vais choisir le panda, allez. Bon, je préfère celui-là, mais c'est pas mon préféré. Je préfère le teckel. Je préfère le petit chat. Bon, bah là, je vais pas choisir les blights, hein. Bah, je préfère lui, clairement. Je préfère quand même le blind bags. Ah, il y a un génération 3. Bon, bah, je préfère les trousers, hein. Il est mignon, lui, en vrai. Ouais, je préfère largement les colibris, hein. Là, il n'y a pas photo, clairement. Ah bah là, par contre, c'est dur. Moi, j'ai été instinctivement vers la droite. Je pense que je préfère quand même le poméranien, qui est absolument trop beau, vraiment. Il est magnifique. J'aimerais beaucoup l'avoir. Ah, c'est l'exclue brésilienne. Non, c'est pas du tout l'exclue brésilienne, elle. Je dis n'importe quoi. Elle ressemble beaucoup, quand même, hein. Elle ressemble énormément. Bon, je préfère quand même la pieuvre, ouais. Oh, c'est dur. Bon, je préfère l'écureuil. Il est très très joli celui-là. Moi, je préfère le papillon. Le chouchou. L'écureuil, le rat. L'écureuil, le rat. Le rat, allez, plutôt le rat. Bon, bah là, je vais choisir lui. Là, je choisis la tortue. J'aime pas du tout ce pigeon. Je le trouve pas beau. Je vais choisir lui. Bah là, clairement, le boxer. Ah! La petite mascotte de Happy. Je l'ai pas, celui de gauche. En même temps, clairement, au niveau des couleurs, je préfère le gris quand même. Hein. Je sais pas, l'autre, il était jaune pâle, pas très beau, je trouve. Ça, c'est mon corgi préféré, je l'aime beaucoup, beaucoup. Là, je préfère largement le rat, même si j'adore les escargots, mais là. Bon, là, je vais choisir le cheval. Je préfère vraiment les chevaux. Oh là, c'est dur ça! Parce que les triplés pandas, c'est vraiment des LPS très rares déjà, que j'ai pas du coup, et qui sont très très jolis. En même temps, ce collet, il est vraiment très beau, c'est pas mon préféré. Du coup, je pense que, ouais, je choisirais quand même le panda. C'était compliqué. Là, je vais choisir le papillon, que je trouve magnifique. Là, je vais choisir le raton laveur. Oula, c'est dur ça aussi. Ah, j'adore celui de droite. En même temps, le Bernard là, le Saint-Bernard, c'est vraiment l'un des plus beaux, je trouve. On va dire que dans mon cœur, c'est plutôt celui-ci qui est en premier. Je vais choisir lui. On n'a pas beaucoup de singes depuis le début. Pourtant, il y a des très jolis singes, hein, je trouve, sur la fin des générations 2. Hein. Bah, je vais quand même choisir le chat. Je sais pas, ce requin, c'est pas mon préféré. Le Beagle. Ah, j'adore celui-ci. Alors, le deuxième. Ah, c'est un serpent qui est très joli. Ah, la Battle 3, elle est sympa, hein, je trouve. Bah, je vais choisir le cochon, je l'aime bien. Le pigeon. Eh ben, honnêtement, je l'ai eu il y a pas longtemps, ce singe, et je le trouve trop beau. Alors que le koala, c'est pas. Bah, déjà, c'est pas ma forme préférée, bizarrement, alors qu'il y en a beaucoup qui les aiment bien. Je vais choisir le singe. Là, je vais choisir l'ours. Le chat. Le cochon. C'est pas mon chat préféré, hein, franchement. En même temps, le canard, bon, c'est un canard, mais celui-ci, il est quand même assez particulier. C'est le multipack américain, là. Voilà, le chat. Hein. Lui, je trouve qu'il est pas facile à trouver, je le vois rarement. Je préfère l'écureuil. Là, je vais choisir la coccinelle, le raton laveur, l'écureuil volant quand même, enfin c'est un phalanger, le phoque, ouais ok, je vais choisir le pingouin même si je l'aime pas trop, bah, le chat européen quand même.
Lui, mais c'est un truc de fou. Genre, jamais je le vois en vente. Déjà, il n'est pas sorti en France, ça c'est clair. Mais même sur eBay, enfin, vraiment, je l'ai jamais vu entre les mains de quelqu'un pour le moment. Donc, il est très rare. Bah, je vais choisir le berger allemand, je pense. Je l'aime bien. Bon, le teckel. La chèvre. Le petit chat à droite. Oula, ça c'est dur aussi. En même temps, par rareté, quand même, celui de gauche est quand même beaucoup plus rare. Et lui, il est vraiment très simple mais efficace. Je l'aime bien. Mais bon, je vais quand même choisir le petit bobtail. Là, le panda, clairement, il bat tous les LPS. Je vais choisir le raton laveur, le chinchilla qui est trop trop joli, bah, l'abeille. L'abeille elle est pas simple à trouver aussi, hein, j'ai remarqué. Bon, je l'ai, mais voilà. Là, c'est franchement le petit chat gris, c'est pas mon préf par rapport à tous ceux qui existent. Mais bon, je préfère quand même le chaton. Ouais. Bon, bah là, le poisson. Là, je préfère largement la tortue. Les kangourous, c'est loin d'être mes préférés, hein, ça faut le dire. Je préfère le furet. Je préfère quand même le chat. Je préfère le cochon d'Inde. Là, je préfère le poisson. Là, je. Bon, bah, je vais choisir la brésilienne. La tortue. Bah, voilà. Ça, par exemple, c'est un chat donc rare, hein, vu que c'est un blind bag et en plus, c'est la version US. Mais au niveau des couleurs et tout, enfin, il est pas ouf quoi. Enfin, je suis pas fan. Du coup, vraiment, l'hippocampe, je le trouve tellement plus beau. Donc là, clairement, je choisis l'hippocampe quoi. J'aime pas trop ce hérisson. Je préfère quand même l'autre. Là, je vais choisir la girafe. Bah là, le Bernard l'ermite, je l'adore celui-ci. La grenouille. Le pélican qui est absolument magnifique. Là, je vais quand même choisir celui-ci encore une fois. Bon, bah là, le teckel. Je crois que tout le monde aura choisi le teckel. Hein. Bah, je préfère l'ours. Je le trouve vraiment très beau celui-ci. Alors que le cygne, bon, bah, effectivement, il est original, mais c'est pas mon préféré. Voilà. Je préfère le lapin. Là, je préfère le zèbre. Là, bah, mon chat de gouttière Dream, hein, vraiment, lui, c'est celui que je veux le plus parmi tous ceux qui existent. Donc, ouais. Le petit chat, le petit mouton. Je pense que cette battle va durer plus longtemps parce que clairement il y a tellement des jolis LPS. Je préfère passer du temps sur celle-ci plutôt que la battle 2 ou 1 qui était un peu moins intéressante. Ah là c'est dur. J'adore les lapins en même temps. Bon, c'est mon chien papillon préféré. Je vais quand même choisir le mien. Le chat, le mouton, pardon. bah, le fourmilier. Bon, le petit ours, il est incroyable lui. Le petit chat, le chat encore. Il n'y a pas photo. L'escargot, c'est un blind bags, il est trop beau. Ah, alors entre les deux blind bags, lequel vous préférez? Je pense que tout le monde va choisir le chat. Après, il est très simple, hein. Alors que le poisson, je le trouve sympa quand même, hein. Mais je vais quand même choisir le chat, j'avoue, il est très beau. Ah, une exclusivité française, ou européenne, je sais plus. Alors ça, c'est vraiment un chat de gouttière que je trouve trop beau aussi, que j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir. Il n'est pas si rare que ça, hein. Enfin, bon, il n'est pas hyper facile à trouver, mais quand même, enfin, je l'ai toujours pas, quoi. Bon, bah là, clairement, voilà. Le lapin, le chat, le... Il est très beau ce castor. Hein. En plus, il a vraiment une couleur bah ouais, très originale, mais je préfère le husky. Eh bien, je vais choisir le cacatoès que j'adore, le papillon, le petit chameau. Ça, c'est un de mes lapins préférés. Là, je préfère le singe, le chat, clairement. Le corgi, le mouton, le petit husky. Je vais plutôt choisir le coq. Même si c'est pas mes triplés préférés. Le hibou que j'aimerais trop avoir d'ailleurs. Ah, c'est trop dur! Je l'ai eu il y a pas très longtemps ce petit chien. Et franchement, je le trouve trop craquant. Mais en même temps, la souris, c'est celle qui me fait le plus rêver dans tous les petits LPS. Donc je vais choisir la souris. Le toucan, qui est quand même très joli. Le chat, clairement. Le chat aussi. La coccinelle. Ou l'hippopotame, le petit chat, le chat encore, qui est très joli. D'ailleurs, ce chat-là, je l'ai fait jouer dans une histoire Pet Shop, qui était rigolote. Bah là, vous voyez, c'est encore compliqué parce que ce chat européen, c'est pas mon préféré. Et ce lapin, c'est vraiment un lapin que je trouve trop trop joli. Donc, je préfère le lapin. Là, je préfère la biche, qui est trop belle. L'escargot, clairement, je le trouve incroyable. Le petit chat encore, je le trouve trop chou celui-là. Bah, elle, hein. La petite biche, l'hippocampe. J'aime bien les Pet Shop colorés en règle générale, en fait. Je préfère lui. Ça c'est dur parce que elle est quand même assez rare, mais lui encore plus.
et en même temps il est très très beau, il est plus simple que lui, c'est pas la même race. Dans mon cœur, il y a quand même plus d'écureuil, je pense. Bon, là c'est un peu moins compliqué, je préfère l'éléphant, hein, je pense. Ah, je préfère le singe, je l'aime beaucoup celui-là. Moi je choisis le kangourou, je pense que lui c'est un des plus beaux. Je choisis la souris, le petit chien, la grenouille. La grenouille c'était l'une de mes préférées jusqu'à ce que j'en ai une que j'adore, vous voyez laquelle, de laquelle je veux parler, je pense. Si vous suivez toutes mes vidéos. Alors ça c'est un escargot que j'ai pas et j'avais jamais remarqué qu'il avait des cornes comme ça. Du coup je vais choisir lui. le petit pingouin, le petit phoque, le Jack Russell, le bulldog, oui, il est quand même plus beau. Bah là je préfère le renard, j'adore les renards. La souris, là je préfère le tigre que j'adore. Le pingouin qui est quand même magnifique. Alors là c'est le papillon que je voulais le plus même avant l'exclu australien. Enfin vraiment je l'adore celui-ci, il est magnifique et je l'ai eu il y a pas longtemps, je suis trop contente. Le singe, j'aime pas trop les morses. Bon voilà, clairement c'est un des lapins que je veux le plus, pareil. De toute façon là il y a des pet shops tellement beaux, enfin ils sont magnifiques. Ça je crois que c'est une mouette qui est exclue, alors je suis pas sûre que ce soit celle-ci. J'ai un doute, non je pense pas que ce soit elle en fait. Entre les deux, bah je préfère le lapin, même si la mouette est très très jolie. Elle c'est une blind bags, bon je la préfère quand même. Alors là c'est dur parce que les deux je suis pas... franchement je suis pas fan. Hein. La tortue je la trouve pas ouf, mais vraiment pas du tout. Et ce cochon d'Inde je l'aime pas trop. Je vais choisir le cochon d'Inde. Bon bah là clairement... Ah non c'est dur quand même. Bah c'est ma mascotte quoi, enfin je vais la choisir. Mais j'adore l'escargot, ça me fait de la peine de pas l'avoir choisi. Bah le petit fourmilier il est quand même très joli. Le petit chat plutôt bébé. Et puis bah là le cochon. Même si j'aime trop les colibris. Choisir le cheval, encore une fois. Le singe, là je préfère le singe, clairement. On va le coller. Le dragon. Le cheval que je voudrais vraiment trop avoir. Le petit lapin. Clairement, lui, il est magnifique. Bon, bah, la vache, hein, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Pendant un bon moment, ça a été le dream le plus important. Et en fait, je suis passée à autre chose. Entre les deux, je préfère le raton laveur. J'aime bien les pet shops avec de la fourrure quand même. Je trouve que c'est sympa qu'ils aient fait ça. Je préfère le panda. Le blind bags. Le chat encore blind bags. Le collet. Le bulldog, je trouve vraiment pas beau. l'araignée, je préfère l'araignée. Et là, je préfère le papillon. Ah, alors ça c'est dur. Enfin non, c'est pas dur. Je préfère la tortue. Je l'adore cette tortue, elle est trop belle. Le petit ça, le petit... Alors, une grosse rareté. Donc ça, c'est l'exclu australien, je crois. Ou l'exclu européen, qui est quand même très beau, alors qu'il y a un papillon en face. Si on parle pas de rareté, je choisirais le basset. La souris, le rat, le petit lapin, le chien, le bernard l'ermite, l'ornithorynque quand même, l'autruche. Je trouve joli quand même. La petite coccinelle, le dragon, là je pense qu'il n'y a pas photo. Le papillon. Oh, c'est trop incroyablement dur. Cette tortue, je pense que après la souris, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est celle que je veux le plus parmi tous les bébés. Mais en même temps, ce lapin, c'est un lapin tellement original. Enfin, ses couleurs, elles sont trop belles. Je choisis quand même la tortue. Là, je choisis le singe. Là, je choisis le petit cheval. Là, je choisis la chauve-souris. Le pivert. Le paon qui est trop magnifique, le petit ours qui est super rare. Là je préfère le serpent, j'aime pas trop ce chat là, même s'il est quand même assez compliqué à voir. Bon bah le petit chat, même si je le trouve un peu bizarre, alors lui par contre. Je crois que c'est un bonus pet d'un Costco il me semble, je suis pas sûre du magasin mais il me semble que c'est ça. Il est trop beau, j'aimerais trop l'avoir. Bah là je préfère l'abeille hein. Le petit ours, et on va bientôt finir je pense. La loutre qui est magnifique. Le petit berger allemand. Bon la baleine. Ah le cochon, mais le maxi. Lui c'est un pet shop que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je ne pensais pas du tout qu'il existait un maxi d'éco-pets cochon. Donc lui c'est vraiment les grosses tailles. Et au contraire ici c'est le tout petit du trotteur maman bébé. Et mais ce cochon, enfin, pareil, je pense que parmi tous les maxi LPS qui existent, c'est celui que je voudrais le plus avec un autre, mais je choisis lui sans hésiter. Bah le chat, hein. Le chat aussi, le hamster,
Ah, l'hippopotame, la biche, le petit hamster, ouais, j'aime pas trop le crocodile en vrai, le petit lapin, bon bah le renard. Bon, honnêtement, lui c'est pas, enfin j'aimerais beaucoup l'avoir, hein, mais c'est pas le plus beau quand même parmi tous les petits. Je préfère le danois qui est quand même très joli, même s'il est très commun. Je préfère le cochon, le chat, d'ailleurs que je vais bientôt avoir, je l'ai commandé. Le petit équel, il est pas ouf celui-ci, mais en même temps j'aime trop les lapins. Je vais choisir le lapin. Le bernard, le Saint-Bernard, le petit chat. Ah, c'est sympa, ils ont mis deux Pet Shop Nintendo DS. Je préfère le cheval, hein. Lui, bon, il est simple, alors que le cheval, il claque, quoi. Je l'adore. Ça, c'est dur aussi. J'aime trop cette biche-là. En même temps, c'est pas ma préf non plus. Moi, ouais, je préfère le cochon, du coup. Je préfère le koala, quand même, là. Lui. Moi, ouais, je préfère le zèbre. Le chat. L'ours. L'ours aussi. Le petit corgi. Ah, c'est compliqué. Ce poisson, j'ai toujours rêvé de l'avoir. Je l'ai toujours pas. Mais ce cheval, c'est pareil, j'aimerais trop l'avoir. Donc je vais choisir le cheval. Le poisson, hein, clairement. Le. Bon, je préfère la coccinelle. Le chat. Ou le basset. Ouais, l'autre c'était une blind bags, mais je préfère le basset. La biche, le poisson, le pigeon, la pieuvre, même si l'autre est plus rare. J'aime bien les lucioles, hein, j'aime beaucoup. En plus, c'est une blind bags. Alors que le lapin, il est très très beau, mais en même temps, il est plus commun. Bon, il n'est pas ultra commun non plus, hein. Moi, je vais choisir la luciole, hein, quand même, elle est si particulière. La grenouille, le tatou. C'est pas une grande réussite, hein, les poissons trotteurs, je trouve. Hein. Bah, le cheval, le mouton. Le rat, le cochon, le petit chien, et ça va être le dernier parce que ça commence à faire long. Bah là, je préfère du coup le poisson pailleté hein, que j'aimerais vraiment avoir. Et du coup, je m'arrête ici. Ça tombe bien parce qu'on tombe sur deux duos, voilà, enfin un duo qui est pas incroyable. Je choisirais le chat, mais ce sont pas mes pet shops préférés. Voilà, ces hamsters là, c'est pas mes pet shops préférés, loin de là, et ces chats là non plus. Et en plus, lui, il est pas incroyable, je trouve, à mes yeux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour la Battle 4. Donc moi je vais la filmer dans une semaine environ, mais vous verrez la vidéo demain, donc en novembre. J'espère que cette série vous plaît toujours et que c'est pas trop long ou quoi. Bon, sachez que je fais pas trop de montage sur ces vidéos parce que voilà, j'ai envie que ce soit au feeling et que ce soit une vidéo sympa, un peu chill et tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis bah on se retrouve demain du coup pour la Battle 4. Bisous!